On va tout doucement démarrer l'introduction à cette troisième session en espérant que les sièges vides se remplissent au fur et à mesure. Donc voilà, moi j'ai la chance de modérer cette troisième session et l'inconfort de le faire au moment où vous digérez. Donc on va faire notre possible pour rendre le plus vivant possible cette troisième session. Donc voilà, moi je tenais vraiment à remercier l'ensemble des organisateurs et plus particulièrement Pascal et Stéphane des deux Fédito, tant la Bruxelloise que la Wallonne, pour leur temps et leur investissement pour la programmation de cet atelier et de cette journée. Je vais sans tarder passer la parole à chacun de nos orateurs et oratrices pour qu'ils puissent se présenter par eux-mêmes et puis s'en suivra une série de questions et d'éléments en lien avec les interactions qui seront celles liées à cet atelier. Oui, bonjour à tous. Eh bien, moi, c'est Nicolas Peignet. Je suis infirmier responsable au service médical à la prison de Chandolon et au quartier carcéral de cette même prison. C'est deux services très différents, un qui est donc ambulatoire et l'autre qui est hospitalier. Je parlerai principalement ici de mon expérience en milieu ambulatoire, puisqu'elle traite tous les sujets qu'on a déjà abordés ce matin par son fonctionnement. Juste vous dire aussi que j'ai été co-créateur du programme d'échange de seringues tel qu'il fonctionne actuellement à la prison de Chandolon. Et puis, je ne sais pas si on peut parler d'un ambassadeur de cette question, mais en tout cas, c'est un sujet que j'apprécie particulièrement. Et puis, c'est vraiment un défi en termes d'implémentation dans les établissements de détention. Alors, voilà. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Ça ne s'entend pas. Allô ? Voilà. Bonjour, Vincienne Salier, là je parle pour la Belgique. Je suis directrice de l'association iCare, qui est un laboratoire d'innovation en santé et milieu fermé. Et nous travaillons sur la question de la continuité des soins, de l'amélioration des soins pendant la détention, mais aussi sur la promotion de la santé en milieu carcéral, par deux volets. D'abord du travail de terrain dans sept établissements pénitentiaires différents à Bruxelles et en Wallonie, mais aussi par un travail de plaidoyer politique pour améliorer aussi l'état de la question. Par ailleurs, j'ai travaillé avant 10 ans chez Modus Vivendi, et donc pour moi, les premiers pas en prison, ça date de 2005, et c'était pour donner une formation à des agents pénitentiaires, des surveillants, je ne sais pas comment vous dites d'autres, sur la question de la réduction des risques. Et quand je pense à ça, à ces premiers pas en prison, je me dis qu'en fait, il y a un net recul, parce qu'aujourd'hui, ce serait complètement impossible de donner la même formation qu'en 2005. Alors, donc moi, Laurent Michel, je suis psychiatre et addictologue. J'ai travaillé 4 ans en milieu pénitentiaire, mais il y a un certain nombre d'années, où je m'occupais d'un service de psychiatrie et d'un centre de soins spécialisé aux toxicomanes en milieu pénitentiaire en région parisienne. Ensuite, j'ai travaillé en addictologie dans d'autres services, mais j'ai animé un groupe de travail avec Marie-Geoffrey Rousty à l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales sur la réduction du risque infectieux en prison, ce qui a donné lieu à un certain nombre de choses dont je parlerai peut-être après. Et puis depuis donc, une dizaine d'années maintenant, je dirige le XAPA Pierre-Nicole, le XAPA, donc centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, qui est une structure de soins dans la communauté en France, donc qui n'est pas dépendante de l'hôpital, et qui, pour laquelle on a une interface assez importante, notamment des chambres d'hôtel pour les sortants de prison, des places de centres thérapeutiques résidentielles pour les sortants de prison avec la possibilité de placement extérieur, donc de personnes sous écrou chez nous, du suivi ambulatoire, des interactions avec les services pénitentiaires d'insertion et probation. Voilà. Bonjour, hello aux collègues flamands qui sont ici aujourd'hui. Alors, mon nom est Richard Cloutier. J'étais jusqu'à tout récemment coordonnateur des programmes de réduction des méfaits liés à l'usage de drogue au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, où j'ai notamment eu la responsabilité des plans d'action interministériels santé et sécurité publique sur la prévention des ITSS et des surdoses. Alors, je suis maintenant sur le conseil d'administration de l'Association des intervenants en dépendance du Québec, qui me permet d'avoir une liberté de parole fort intéressante. Bonjour, Marie-Laure Foulon, je suis médecin psychiatre. Je travaille au Grand-Duché de Luxembourg, donc en milieu carcéral, dans la prison. Et j'ai aussi une consultation une fois par semaine
à la JDH en post-carcéral, où je peux voir les patients qui, voilà, qui sont sortants de prison. Merci pour cette présentation. Normalement, on devrait avoir un tableau derrière nous qui devrait apparaître. Je ne sais pas si c'est possible, Stéphane. Et donc, dans le cadre de la préparation de cet atelier, on s'est attaché à essayer de mettre en forme, sur base d'un tableau, un ensemble d'éléments en lien avec ce qui caractérise les contextes d'intervention de chacun des différents intervenants. C'était pour nous l'assurance qu'il n'est pas à le faire et quelque part à raboter sur leur temps de parole précieux des éléments de contexte qu'on espère voir apparaître bientôt dans notre dos. Donc moi, j'ai en profité pour me présenter également. Chris Meurant, je suis directeur du pôle psychosocial au sein de la SBL Transit, qui est un centre d'accueil et d'hébergement de crise pour usagers de drogue. Et je suis également membre de la FIDEX, qui est la Fédération des institutions actives au niveau des personnes détenues et ex-détenues à Bruxelles. Voilà, donc vous avez en toile de fond ce qu'on a voulu vous présenter. Donc, sur le premier tableau, c'est juste une petite précision. Quand Marie-Laure parlera du Luxembourg, c'est sur l'ensemble des éléments en lien avec l'unique prison du Luxembourg. Pour Nicolas, il parlera précisément du canton de Genève. On l'a entendu ce matin dans une session préalable. Les matières en termes de santé sont divisées au niveau des différents cantons. Quant à Laurent, lui parlera pour la France. Vinciane pour la Belgique, avec quand même des particularités locales assez importantes. Et pour Richard, ce sera vraiment spécifiquement pour le Québec. L'ensemble des données d'information qui figurent ici, en tout cas les données chiffrées, viennent toutes du site de Prison Insider et devraient être à jour. Donc voilà, n'hésitez pas tout à l'heure, il y aura un temps de questions. Mais c'était important pour nous d'avoir en toile de fond ces éléments-là qui caractérisent quand même assez nettement nos champs d'intervention respectifs. Mais donc pour faire la transition avec la session précédente et pour commencer par la fin, j'ai peut-être demandé à Nicolas d'éventuellement se prononcer sur des éléments en lien avec ce qui caractérise la sortie de prison dans le contexte dans lequel il intervient. Oui, alors merci au groupe précédent parce que c'est vraiment un sujet aussi de prédilection. Et puis la continuité des soins en prison. Quand on parle continuité des soins, on pense souvent à l'après-prison, mais en fait, il ne faut pas hésiter, enfin, il ne faut pas oublier la transition aussi de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, puis de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Les deux éléments ou les trois éléments, le avant, pendant, après, sont tous aussi importants les uns que les autres. Et puis c'est un combat tant au niveau des équipes, parce que depuis tout temps, je pense que les équipes en milieu pénitentiaire, elles ont été formatées pour dire ce qui se passe à la prison, reste à la prison, puis vous ne devez pas en parler. S'ajoute là-dessus le secret médical, comme on l'a déjà dit ce matin, qui est une chance, hein, indéniablement, mais qui peut être vécu comme un frein pour certaines personnes à s'exprimer à l'extérieur. Donc quand je dis que c'est un combat, c'est vraiment plutôt un challenge, en fait, pour réussir à bien justement réussir ces transitions. On a du mal à avoir les informations de l'extérieur quand les gens entrent en prison. Et on a du mal, nous, à faire notre travail de soignant en termes de continuité des soins parce qu'on manque aussi d'informations, clairement, par rapport à la sortie. L'établissement de Genève dans lequel je travaille est une prison préventive. Et par définition, les gens entrent et sortent très rapidement, ou pas, c'est selon. Mais la plupart du temps, sans sommation, en tout cas. Donc, on a là un déficit d'information entre nos services, entre l'administration pénitentiaire et puis le service médical, qui ne permet pas d'avoir cette optimisation de la sortie. L'autre chose, c'est la méconnaissance aussi du réseau, généralement. On le voit très fréquemment. La prison, en fait, les gens ne connaissent pas le fonctionnement, ne connaissent pas ses particularités. Et on a mis en place à Genève, en tout cas depuis quelques années maintenant, le réseau transfrontalier en addiction. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait au clair avec la géographie du lieu, mais Genève a une toute petite frontière avec la Suisse et la majeure partie de sa frontière est avec la France, ce qui est un défi supplémentaire en termes de continuité des soins, puisque deux systèmes de santé aussi très différents. Donc ce réseau transfrontalier permet vraiment à chaque partenaire de se connaître et puis de faire part de ses difficultés. Alors, on est là à un niveau plutôt macro et pas au niveau des patients directement, mais ça a un impact clair sur notre prise en charge et surtout sur l'idée que les soignants se font de l'extérieur par rapport à leurs patients qu'ils ont en référence. Voilà, quoi dire d'autre par rapport à ça, je pense que c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si parmi nos panels d'orateurs, il y a une réaction à ce sujet. Oui, Richard? Tu as dit, Nicolas, qu'il y a beaucoup d'intérêt de ta part pour le programme d'échange de soins que vous avez mis en place, mais quand il y a la sortie de l'établissement, est-ce que les détenus reçoivent du matériel d'injection? Puis comment c'est reçu par les partenaires à l'extérieur?
ils reçoivent, techniquement, ils ne reçoivent pas un kit d'injection pour la sortie. Ce sont généralement des personnes qui sont déjà intégrées au réseau Genevois. Donc, ils peuvent bénéficier de toutes les boîtes flash, comme on les appelle, et de tout le kit nécessaire directement à la sortie. Ils se rendent là où ils allaient précédemment. Il y a très peu, et c'est vraiment très rare, des personnes primo-injecteurs en prison. Sur la continuité des soins à l'extérieur, je vais dire de manière un peu provocante que pour qu'il y ait continuité des soins, il faut d'abord qu'il y ait soins. Et actuellement, dans le milieu carcéral en Belgique, en tout cas, il y a un gros déficit de soins. On y reviendra hein, sur les questions de transfert de compétences. Mais nous rencontrons encore déjà pas mal de gens qui ont des consultations dans des langues qu'ils ne parlent pas du tout, donc ils ne comprennent rien. Des difficultés déjà d'avoir accès aux soins parce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent écrire ce qu'on appelle un billet de rapport ou une fiche message en Belgique pour pouvoir demander une consultation. On a encore des consultations qui se font parfois derrière les guichets, donc les petites portes, les petites fenêtres sur les portes des cellules, voire même à l'entrée de la prison, des consultations en groupe. C'est encore des choses qu'on a eues devant les yeux. Et quand on a des établissements qui aujourd'hui, ce n'est pas partout comme ça, hein, mais peuvent avoir un psychiatre un demi-jour semaine pour 800 détenus, c'est quand même un peu difficile après de parler de continuité des soins par rapport aux soins intérieurs. Et je voulais aussi ajouter, par rapport à ce que Natacha Delmotte disait tout à l'heure, quand elle travaillait en prison, on peut croire qu'on fait bien notre boulot par rapport à la continuité, mais voilà, ça reste en fait très très compliqué, c'est qu'à l'intérieur aujourd'hui, beaucoup de travail, enfin en dehors du service médico, un peu la place que Nicolas a aussi, il y a aussi tout ce que des services qu'on appelle services externes en Belgique, qui procurent tout ce qui est aide psychologique, aide sociale, promotion de la santé, etc., ont un mal fou à rentrer dans les prisons. Donc on peut déployer une énergie énorme pour essayer de travailler la continuité des soins. Quand on vient d'un service extérieur, on connaît quand même assez bien le réseau de l'extérieur, mais il reste toujours la question de savoir entrer dans la prison. Et pour vous donner l'exemple concret là actuellement, donc, notre équipe travaille dans 7 établissements différents. Ça fait 8 jours que dans 4 prisons sur 7, il est impossible d'entrer. Donc voilà, pour cette continuité, il faudrait d'abord un peu plus de fluidité en tout cas. On a 5 thèmes qu'on souhaite aborder et faire partager au niveau des différents orateurs. Donc on restera volontairement peu de temps sur chacun d'entre eux. N'hésitez pas à garder en tête des éléments qui vous viendraient en termes de questions. On gardera un temps forcément pour pouvoir échanger avec la salle. Le deuxième thème qu'on souhaiterait aborder, vous l'avez vu dans le tableau qui est derrière nous, c'est toute la situation en lien avec les disparités liées à nos différents pays pour des questions liées au transfert de compétences et soins de santé des détenus. Est-ce que Vinciane, tu peux toucher un mot sur ce fameux projet pilote drogue et détention en lien avec une situation belge où ce transfert de compétences n'a toujours pas eu lieu? Oui, alors 2 mots sur le transfert peut-être avant de parler du projet pilote. Donc dans le tableau là, vous voyez des dates de transfert de compétences. Quand on dit transfert de compétences, c'est le moment où la compétence des soins de santé du milieu carcéral passe de la justice à la santé publique en général. Vous voyez que pour le canton de Genève, en fait je ne sais pas si c'est écrit dessus, mais c'est 1963. Okay, donc bon, c'est les premiers, hein, ils sont en avance sur les autres. La France, c'est 1994. Donc vous voyez qu'il y a une évolution, enfin qu'en tout cas il y a une série de pays qui ont déjà procédé à ce transfert, et en Belgique on est en 2022 et on va dire que c'est en préparation, en négociation. C'est quelque chose qu'on attend personnellement depuis Chris pareil, depuis une dizaine d'années, mais je pense qu'il y en a d'autres qui l'attendent depuis 30 ans, mais on n'était pas dans le milieu avant. Mais simplement, pourquoi c'est si important et pourquoi en parler un jour où on parle d'accompagnement, de réduction des risques, etc. Parce qu'on pense que c'est le socle avant tout. Si on veut améliorer l'accompagnement, la réduction des risques, on va constater que dans les autres pays, tout n'est pas parfait, mais c'est déjà fondamental. C'est une question éthique, c'est une question de santé publique, c'est une question budgétaire, parce qu'aujourd'hui, en Belgique, c'est la même enveloppe, en fait, pour tout ce qui touche le carcéral. Donc, même s'il y a un budget spécifique pour les soins de santé, il s'est vu par le passé que quand on manque d'agents pénitentiaires, quand on manque d'argent pour le sécuritaire, on va un peu gratter dans l'enveloppe
dans l'enveloppe santé. Et puis aussi, c'est une question des mentalités des soignants. Moi, j'ai visité des prisons, justement, entre autres en Suisse et en France. Et le discours des soignants n'a rien à voir avec celui qu'on connaît chez nous. Enfin, de certains soignants, je vais essayer d'être de nuancer parce qu'heureusement, tout le monde n'est pas dans le même sac. Mais on rencontre chez nous beaucoup de discours autour de la sécurité, donc de voir les patients en fait comme des détenus et pas comme des patients. Et beaucoup de discours aussi autour des aspects budgétaires, donc de soignants, de professionnels de la santé qui ne vont pas vouloir donner tel ou tel traitement parce que ça coûte trop cher, mais dans une logique budgétaire. Donc, pour être un peu rapide quand même, sur ce projet pilote, il y en a d'autres dans la salle qui travaillent pour ce projet. Donc, la santé publique a décidé en 2017 de mettre un pied dans la porte des prisons en préparation de ce futur transfert et de financer un projet pilote d'accompagnement des usagers de drogue en milieu carcéral. Alors, c'est intéressant parce qu'ils n'ont délibérément pas donné, si vous voulez, le budget directement à la justice, qui est aujourd'hui en charge normalement de cet accompagnement et de ces soins, mais bien à ce qu'on appelle les services externes des associations. Et Belgique oblige, il y en a une à Bruxelles, une en Wallonie et une en Flandre. Donc l'avantage de ça, ce pied dans la porte, c'est que c'est une façon d'essayer déjà tester, de mesurer comment est-ce qu'on va pouvoir travailler en partenariat santé publique-justice. Et on voit que c'est extrêmement compliqué. On peut dire positivement, actuellement, il y a plus de gens qui sont accompagnés. Les cabinets des ministres et les administrations prennent conscience des problématiques que le secteur sur le terrain connaissait depuis un bon bout de temps. Donc, il y a vraiment des avantages, mais des points positifs. Mais on voit aussi tous les points négatifs de la difficulté de la santé publique à négocier avec la justice, parce que quand même, on a peur qu'ils referment les portes. Hein, et ça, on vit beaucoup dans le quotidien. Et puis, on voit d'autres éléments qui sont très, 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 très compliqués autour d'une méfiance, en fait, des soignants. Et s'ils se méfient d'un service externe qui vient pour un projet pilote, c'est entre autres parce qu'ils ont peur qu'on leur donne du travail. Et comme ils sont en sous-effectif, un projet externe, c'est un projet qui va les solliciter et qui dit sollicitation, dit déborder. Et donc, il vaut mieux laisser les gens dehors. Quand on est entré dans la prison bruxelloise, dans les premiers mots qu'on a reçus, c'était, et c'est texto, hein, souvent c'est pas dit, mais là c'était dit, bonjour, on sera content quand vous serez parti. Parce que toute la difficulté de la collaboration santé-justice, elle est peut-être dans cette phrase que nous a adressée un médecin de la prison, que je ne citerai pas évidemment. Voilà, donc ça fait partie des choses compliquées. Et enfin, encore un élément sur ce projet, je pourrais en dire beaucoup, hein, mais c'est que la lasagne, ce qu'on appelle la lasagne institutionnelle, donc le fait que tout ce qui est soins dépend de la santé publique, mais tout ce qui est promotion de la santé, réduction des risques dépend du régional, enfin, je ne vais pas vous faire une leçon des questions institutionnelles belges, fait que dans ce projet pilote, le mot réduction des risques ne peut pas être prononcé et en plus ne peut pas être agi sur le terrain. Donc on a des détenus qui ont des besoins, qui ont besoin d'une approche globale qui demanderait un continuum justement d'accompagnement, de réduction des risques, de soins, mais non, on ne peut pas faire de réduction des risques, on ne peut pas engager d'éducateurs ou de médiateurs et tout parce que ça ne rentre pas dans les cases de la santé publique. Et là aussi, on a un souci en termes de décalage entre les limitations voilà, du système, du politique, de tout ce qu'on veut, et la réalité de terrain et des besoins des gens qu'on regarde voilà, leur situation individuelle et qu'on se centre sur leur situation. Merci, Marciane. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui souhaiterait réagir ? Ce qui était comique, tout à l'heure, à la pause, on a pris un petit moment pour discuter, c'était d'entendre Nicolas qui, lui, n'a pas connu d'autre système que celui lié à ce fameux transfert de compétences. C'est dire les décalages et les enjeux qui sont quand même forcément très disparates. Bon, justement, j'aurais aimé rebondir là-dessus parce que, effectivement, pour moi, bah, c'est quelque chose d'assez, on va dire, hallucinant que ce ne soit pas le cas partout, puisque c'est ma vie de soignant à Genève, en tout cas, c'est celle-ci, celle d'un professionnel indépendant et puis qui peut faire des propositions et qui sont acceptées ou pas d'ailleurs, mais on laisse une autonomie de pratique quand même qui est très très importante. Je voulais juste peut-être pas détruire un peu tous ces idéaux, mais. Au niveau des soignants, ça n'empêche pas en fait une sorte d'acculturation à la sécurité, le fait d'être indépendant. Et puis il y a aussi un autre élément assez important qui m'est venu en fait en t'écoutant, c'est par rapport à certains faits typiques de prison comme les sanctions à l'intérieur de la prison ou la cellule forte, je sais pas comment vous les appelez ici, mais cellule de réflexion, cachot, etc. Ben, il y a des injonctions internationales, notamment du comité de prévention de la torture, qui dit que le service médical doit voir préalablement à la mise en cellule forte les détenus qui vont y être placés.
Et évidemment, l'administration pénitentiaire, dans ce genre de cas, elle s'engouffre tout de suite dans cette brèche en disant ben, « on va mettre quelqu'un en cellule forte, vous devez le voir avant pour nous dire si c'est OK pour vous ou pas ». Donc on sort du cadre de la réduction des risques là, mais ça me paraît important quand même d'être toujours vigilant par rapport à ça, puisque ce principe d'indépendance, il est souvent mis à mal par certaines recommandations qui sont bienveillantes à la base, mais qui, si elles sont, à mon sens, mal encadrées, elles peuvent devenir vite problématiques. Et puis, du coup, il ne faut pas baisser notre vigilance par rapport à ça. Et bon courage. Donc, toujours dans cette idée de pouvoir avancer sur différentes thématiques, j'avais envie de passer la parole dans quelques instants à Laurent, pour qu'il mette en évidence, parmi un ensemble de stratégies d'intervention, celles qui nous préoccupent quand même aussi beaucoup, ce sont celles en lien avec la réduction des risques en prison. Peut-être nous dire comment ça se passe en France. La parole est à toi. Alors, oui, ça ne se passe pas. Non, mais, un petit retour en arrière d'abord. Juste, il faut se rappeler qu'en 1993, l'Organisation mondiale de la santé insistait sur la nécessité du respect d'un principe d'équivalence pour les soins et la prévention en prison. Ça, c'est important. En France, en 1994, il y a eu cette fameuse loi pour le transfert au secteur hospitalier de l'organisation des soins en prison. En 1996, il y a eu une circulaire qui ciblait le VIH, qui détaillait les mesures de réduction des risques en prison pour prévenir le VIH, donc pas uniquement le VIH. Et quand moi, je suis arrivé en 2000 dans une prison de la région parisienne, une grosse prison de la région parisienne, alors que ça faisait donc 6 ans qu'il y avait ce transfert et 4 ans que les traitements de substitution étaient sur le marché, il n'y avait aucun traitement de substitution qui était prescrit dans cet établissement et tous les détenus étaient sevrés, cold turkey, comme on dit, à l'arrivée en détention. Donc, bon, évidemment, ça a été mis en place, mais c'est pour illustrer le fait que, et là, ce n'était pas un blocage pénitentiaire, c'était un blocage soignant. C'est-à-dire que ma prédécessrice avait décrété que pour des raisons d'éthique personnelle, elle refusait de prescrire, c'est quand même rare, des spécialités médicales où pour des raisons éthiques personnelles, on peut décider qu'on ne prescrira pas, on ne donnera pas accès aux soins à des gens. Mais bon, ça en dit long sur le statut, je trouve, de l'addiction et des représentations qu'il y a. Ensuite, donc, je vous disais, il y a eu ce travail qu'on animait sur la réduction du risque infectieux en prison. Et on a fait un recensement dans l'ensemble des prisons françaises du niveau d'application de la circulaire de 1996 dont je vous parlais, c'est-à-dire de la mise à disposition des outils de réduction des risques, et en même temps du niveau d'application, du coup, des recommandations internationales, donc celles des Nations Unies et de l'OMS, sur les outils de réduction des risques, au sens large, hein, des risques infectieux qui devraient être disponibles en prison. Évidemment, cette observance, cette adhésion à ces recommandations aussi bien françaises qu'internationales était catastrophique. On l'a refait dans le cadre d'un projet financé par la Commission européenne dans 4 autres pays en Europe où c'était pas terrible non plus. Enfin, ce n'était pas les pays les plus identifiés pour avoir développé des mesures de réduction des risques. Il n'y avait notamment pas la Suisse ni l'Espagne. Mais dans la foulée, on a proposé de faire une évaluation des conditions d'acceptabilité des mesures d'implémentation des mesures de réduction des risques dans les prisons françaises. Il se trouve que c'est au même moment qu'en France, on a eu ce qu'on appelle la loi de santé en 2016, qui préconisait en pratique, texto, qu'un principe d'équivalence pour les mesures de réduction des risques, mais selon des modalités adapté au milieu carcéral, ce qui malheureusement a été la petite phrase de trop, et bien sûr qui a été débattue, on savait très bien ce qui se jouait, mais elle a été quand même présente, et depuis ce temps-là, malgré le projet qu'on avait mis en place, donc c'était au Beaumet à Marseille, on a rencontré, alors là, je peux le dire, pour les acteurs locaux, une volonté d'avancer du côté pénitentiaire aussi bien que du côté soignant, avec des recommandations, une aide, un soutien, enfin, qui n'a jamais posé de problème, mais un blocage central qui a été en période électorale au niveau de l'administration pénitentiaire centrale. Je dis bien centrale parce que je pense qu'il y a un décalage considérable entre l'administration centrale et les établissements pénitentiaires qui sont bien plus pragmatiques et au plus près des préoccupations de terrain et qui sont très aidants en général, enfin en tout cas ce que j'ai vu moi de ce point de vue-là. Depuis, c'est bloqué. Je pense que quel sens on peut donner à ce blocage ? La question de la sécurité, parce qu'évidemment, le plus emblématique, c'est le programme d'échange de seringues, mais la question de sécurité avancée, elle est tout à fait démontée. Hein, je veux dire, on en a parlé
pour la Suisse et le Luxembourg, le programme d'échange de shrink, c'est un non-événement quand c'est mis en place. C'est comme ça que la prison pose un vrai problème et remet en cause, sur le fond, la question de la loi actuelle, sur la loi de 70, sur la question de l'usage de drogue en France. Donc c'est quelque chose qui pose vraiment problème. Et je pense que si on veut avancer, on ne fera pas l'économie, à un moment ou à un autre, d'un vrai débat politique sur cette question-là, qui est absolument impossible pour l'instant. On est dans encore des discussions sur les salles de consommation, la nécessité de nettoyer au Karcher Paris pour les Jeux Olympiques, etc., qui font qu'on n'est pas prêt d'avancer dans les quelques années qui viennent. Mais bon, voilà. Merci Laurent. Est-ce que parmi nos partenaires qui, eux, ont de l'échange de seringues qui est établi en prison, on aurait une note positive sur ce genre d'implantation ? Alors voilà, nous, le programme d'échange de seringues, il date de 2005. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'en fait, il s'est mis en place en prison en même temps qu'à l'extérieur. Les salles de consommation à moindre risque, la Fixstufe, est apparue à peu près à cette époque-là. Et donc, en 15 ans, il n'y a pas eu une agression avec une seringue. Il n'y a pas eu, enfin voilà, il n'y a eu aucun problème. Il y a un patient qui a dû rendre ses seringues parce qu'il s'injectait du Nescafé. Et c'était plus un problème psychiatrique. Et puis, voilà, ça générait des thromboses. Mais voilà, en dehors de cette exception, voilà, il y a eu... et c'est quelque chose qui ne pose aucun problème. Alors, j'ai demandé à la directrice, mais parce que je n'étais pas là au moment où ça s'est mis en place, et comment les surveillants, les gardiens ont pris la chose. Elle m'a dit, on a fait des séances d'information, et puis après, c'était bon. Voilà. Et il y a les seringues sont données dans une petite, un petit tube en plastique. Il doit être visible pour quand il y a des fouilles de cellules. Voilà, les gardiens ne se. Enfin, et puis les seringues doivent être dans le petit tube en plastique. Les patients peuvent échanger aussi souvent qu'ils veulent en allant eux-mêmes à l'infirmerie, donc échanger les seringues. Voilà, et en fait, ça pose de problèmes à personne. Ça n'empêche pas les gardiens de rechercher la drogue et beaucoup les téléphones portables et les voilà. Je ne sais pas, les deux coexistent sans que ça pose de problèmes à personne. Ben merci. Voilà, c'est toute l'importance d'un non-débat pour des projets qui fonctionnent. On a passé beaucoup de temps et en préparation et maintenant sur les aspects liés aux questions de réduction des risques. Loin de nous l'idée de uniquement mettre en avant ce type d'accompagnement et de suivi. On a entendu dans des sessions précédentes d'autres stratégies d'intervention avec l'exemple que donnait Natacha pour Trampoline. Ici, en donnant la parole à Richard, c'était l'occasion de pouvoir entendre aussi ce que, au niveau du Québec, est mis en place sur l'accès à Naloxone, les enjeux liés à la distribution d'une série de choses et aussi sur les services de consommation supervisée intramuros. Oui, alors, au Québec, au niveau interministériel avec la sécurité publique, il y a des discussions depuis 2008 pour l'implantation des programmes d'échange de seringues en milieu carcéral. On a vu qu'il y avait différentes modalités d'accès qui pouvaient être par le service de santé de l'établissement hospitalier ou bien par le service de santé correctionnel ou encore par une distributrice, par des pairs. Et ce qui ressortait du côté santé, c'est que la meilleure approche devrait être par les pairs, mais très peu d'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale qui semblait être la meilleure entre la sécurité publique et les secteurs santé, c'était que ce soit des intervenants du secteur de la santé qui puissent distribuer le matériel. Ceci étant dit, il y a deux entités là, qui interviennent. Il y a le service de santé comme tel, puis il y a le service de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang, qui fonctionne avec des budgets de santé publique, alors que le service de santé fonctionne avec des budgets de fonctionnement de la direction de la santé dans l'organisation de services. Il y a une tendance à vouloir donner la responsabilité de la distribution de seringues au service de dépistage des ITSS. Alors, il y a des enjeux autour de ça. Mais dans les discussions interministérielles, c'est qu'il y a toujours un argument qui est apporté pour être contre par la sécurité publique. Ah, il faudrait peut-être d'abord adresser la question du tatouage. Comme ça, on va y aller de façon étapiste. On pouvait faire un projet pilote tatouage qui ne fait pas de problème. On pourrait envisager le programme d'échange de seringues. On devrait faire la formation des agents correctionnels pour que lorsqu'on arrivera avec un projet, bien, qu'il soit accueillant.
Et c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, qu'avec Nicolas, avec la IDQ, a produit une vidéo qui s'appelle « Un programme d'échange de seringues en prison, c'est possible », où Nicolas et moi étions jeunes et beaux. Et puis, mais si vous voulez le trouver, c'est sur YouTube ou sur le site de la IDQ. Puis la Suisse a utilisé cette vidéo après pour la formation dans ses propres établissements. Alors, l'autre argument qui était donné, c'est la sécurité publique qui dit, qui veut qu'il y ait un transfert de services de santé depuis des années. Alors, il dit, bien, quand le transfert sera fait, la santé aura la responsabilité et pourra mettre en place les programmes d'échange de seringues. Là, c'est presque complété, mais là, la sécurité publique n'est toujours pas prête à procéder. Un des éléments qui est ressorti aussi, bien, c'est sûr, c'est la peur de se faire piquer par des seringues, mais pas juste la piqûre, mais d'attraper le VIH ou l'hépatite C. Et on a, avec la Commission de la santé et sécurité au travail, produit des outils de formation qui expliquent bien que les risques de transmission en milieu carcéral ou même dans la communauté, dans les parcs et tout ça, on a zéro cas de transmission depuis 30 ans du VIH ou de l'hépatite. Donc, on essaie de s'outiller pour créer une acceptabilité sociale des programmes de réduction des méfaits qui permettent de les mettre en place. Donc, ces outils-là existent, mais connaissent des limites. Donc, pour l'instant, dans les établissements de détention provinciaux au Canada, il n'y a aucun programme d'échange de seringues en vigueur. Par contre, le gouvernement canadien, dans les prisons fédérales, a depuis 5 ans débuté des programmes d'échange de seringues. Le fédéral, ils ont des détenus qui sont là pour quand ils ont des peines de 2 ans et plus. Les prisons provinciales, c'est 2 ans et moins. Et donc, mais par contre, ils ont mis en place ces programmes-là avec des. Les intervenants de la santé, du service correctionnel qui remettent le matériel. Et ce n'est pas anonyme, ce n'est pas confidentiel. Les agents correctionnels savent qui reçoit des seringues. Donc, il y a des critiques et des limites par rapport à ce programme-là, mais qui semble fonctionner, mais possiblement, il faut commencer à quelque part, puis ils vont faire des ajustements. Ce qui est intéressant, par contre, là, au niveau fédéral, c'est que bon, on le voit quand on discute avec les gens de la sécurité publique, ils ne veulent pas de programme d'échange de seringues, mais ils veulent des services de consommation supervisés. Parce que, comme ça, le détenu a un endroit pour aller s'injecter et le matériel va rester à cet endroit-là. Il ne retourne pas dans les unités de la prison. Alors, mais par contre, pour faire ça, ça prend du personnel. Mais c'est intéressant parce que les agents correctionnels accompagnent des détenus au service de santé. Ils ne savent pas nécessairement pourquoi ils s'en vont au service de santé, bien qu'ils peuvent s'en douter, j'imagine. Mais alors, les services de santé, comme en Suisse, il y a eu beaucoup de réactions. Les intervenants de la santé n'étaient pas favorables à cette approche-là. Donc, mais par contre, le gouvernement fédéral vient annoncer il y a à peu près un mois qu'ils ont un service de consommation supervisé dans un établissement correctionnel fédéral à Edmonton, en Alberta, la province la plus conservatrice du Canada. Mais ce n'est pas le gouvernement provincial qui a fait ça, c'est le gouvernement fédéral. Mais c'est intéressant d'y réfléchir à cet aspect-là parce que ça fait partie des discussions. Je dirais qu'en attendant, bien, il se fait quand même des choses. L'accès au condom est quand même présent en milieu carcéral, des carrés de latex. On continue de distribuer de l'eau de Javel, sachant que ce n'est pas vraiment efficace contre l'hépatite C. Mais en tout cas, là, on a beau démontrer que ce n'est pas efficace puis qu'on a des données probantes d'efficacité sur l'accès au matériel d'injection. Au Québec, l'incidence du VIH dans les programmes d'échange de seringues est presque à zéro. C'est un succès de santé publique, mais on ne reconnaît pas. Puis c'est toujours intéressant. Santé, nous, il faut qu'on démontre avec des données probantes notre efficacité. Puis quand la sécurité publique, on leur demande « Avez-vous des données probantes? » Non, on n'en a pas, mais nous, on applique la loi. Ben oui, mais
Nous aussi, on applique la loi en santé publique. Là. Alors, c'est un débat intéressant. Il se fait aussi des interventions des organismes communautaires qui vont être dans le milieu carcéral et qui vont aider à la transition, à la sortie, pour faire les liens avec les services de réduction des méfaits. J'ai amené, il y a l'Association québécoise de promotion de la santé des usagers de drogue qui produit des outils d'intervention en milieu carcéral, notamment un agenda annuel où il y a un concours de dessins et de slogans faits par et pour les détenus. Puis j'ai amené aussi, il y a un jeu de cartes, puisqu'en prison, on a le temps de jouer aux cartes. Alors, ça, ils ont produit, il m'en reste 4-5, là, s'il y a des gens intéressés. Puis le petit agenda de cette année, il en reste à l'entrée, là. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Richard, c'était intéressant qu'on puisse t'entendre aussi sur les questions liées au naloxone. Ah bon, ce qui est plus récent, vous savez qu'au Canada, on a les enjeux importants de surdose d'opioïdes. Alors, il y a eu dans les plans interministériels la décision de fournir la naloxone aux agents correctionnels. Puis c'est les services santé du réseau de la santé qui fournit la naloxone dans les établissements pour les agents correctionnels. Puis là, il y a eu un débat où... Je ne sais pas si vous connaissez, nous, on a une loi qui s'appelle la loi du bon samaritain, qui fait que si quelqu'un appelle pour avoir des secours en cas de surdose, il ne pourra pas être arrêté pour possession à ce moment-là de drogue. Et donc, c'est pour favoriser que les gens appellent les secours. Alors, moi, j'ai dit à mes collègues en sécurité publique, est-ce que vous pourriez annoncer aux détenus que vous allez appliquer la loi du bon samaritain pour que, s'ils sont en présence de quelqu'un qui est en souffrance d'arrêt respiratoire, mais qu'il n'ait pas de conséquences ou qu'il n'ait pas de pénalité pour avoir fait ça. Et là, c'est très difficile de faire approuver ça parce que c'est reconnaître à nouveau qu'il y a consommation de drogue. Mais quand même, là, les agents ont été formés, ils peuvent l'administrer, mais au départ, c'était beaucoup plus pour eux qui avaient peur d'être en présence d'opioïdes volatiles et qui allait faire des surdoses, alors que ça n'arrive pas dans les faits. Là. On n'a aucun cas où c'est arrivé. Ça se produit dans les laboratoires clandestins où la police intervient. Ils s'habillent en conséquence. Alors là, moi, j'ai dit, bien, écoutez, si vous ne voulez pas dire on va appliquer la loi du bon samaritain, bien, pourquoi vous ne fournissez pas la naloxone aux détenus même? Là, c'est un beau débat. Là, ce n'est pas fait. Mais dans le principe d'accès à la naloxone qui est gratuite dans la communauté, pourquoi elle ne peut pas l'être pour les détenus? Ce n'est pas un narcotique, c'est un antidote. Puis, on ne donne pas la naloxone injectable, mais la naloxone intranasale. Alors, beau débat. Mais on sait aussi, par contre, à la sortie de prison, on sait que c'est un moment... très à risque de reconsommer et des doses probablement plus élevées avec lesquelles on n'est pas accoutumé. Et donc, il y a plusieurs établissements, c'est toujours des décisions locales quand même, mais qui vont remettre la naloxone et certains vont remettre aussi des trousses de matériel d'injection aux personnes qui ont été identifiées comme susceptibles de recommencer à s'injecter à l'extérieur. Richard, pour... ce tour d'horizon des différents projets en place dans certaines prisons au Canada et à Québec. Je voudrais aussi passer la parole à Marie-Laure, qui, elle, va certainement vous surprendre, mais l'idée ici, c'était pouvoir mettre en évidence un projet qui n'a pas lieu en prison. C'est un projet de diacétylmorphine, mais de plutôt mettre en évidence les multiples interactions que ce projet pourrait avoir si un jour il devait se décliner là-bas. Est-ce que je peux juste redire quelque chose Bien sûr. La naloxone? Parce qu'en fait, on a aussi un projet... De naloxone. Alors l'idée, mais elle n'est pas... Parce qu'en fait, au Luxembourg, on n'a pas encore la naloxone nasale. Enfin, ça n'existe pas, c'est pas... Voilà. Donc, les équipes d'urgence utilisent la naloxone, mais on n'a pas en spray nasal. Donc, dès que ce sera possible, on a un projet de faire une formation des détenus volontaires avant leur sortie. Voilà ce que c'est qu'une overdose, etc. Et puis ceux qui veulent, qu'ils sortent de prison avec un kit, que ce soit pour eux, mais généralement pour les amis ou pour s'ils sont témoins, et puis d'avoir aussi ce même dispositif à l'extérieur. Mais c'est intéressant parce que c'est la formation en prison, les gens sont là, donc ils peuvent assister
à une formation et on se dit que ça, voilà, c'est aussi du peer to peer parce que ça, ça va après peut-être à l'extérieur sauver des vies. Alors nous, ce qui existe au Luxembourg, c'est la diacétylmorphine, c'est-à-dire l'héroïne. Donc c'est un projet qui a lieu depuis 5 ans à la JDH. Donc c'est un centre ambulatoire qui délivrait aussi la méthadone, la buprénorphine et qui depuis 5 ans délivre des comprimés d'héroïne. Alors les indications, c'est des patients qui auraient déjà eu 2 échecs de thérapie, que ce soit ambulatoire, que ce soit avec des produits de substitution, donc un peu des vieux, des vieux héroïnomanes, où il n'y a rien d'autre qui a marché, ou en tout cas les thérapies antérieures n'ont pas fonctionné, qui continuent à consommer, et donc ils doivent venir 2 fois par jour. Alors ça peut être réduit à 1 fois quand ils travaillent, mais quand ils ne travaillent pas, c'est 2 fois par jour, recevoir des comprimés donc d'héroïne, de diacétylmorphine. Et en fait, c'est assez intéressant parce que dans ce programme, il y a eu certains de mes patients qui sortaient de prison, qui avaient eu de multiples incarcérations, toujours pour la même chose, et qui, en fait, depuis qu'ils sont dans ce programme, ne reviennent pas en prison. Et certains même ont réussi à avoir un petit travail, alors un travail aidé, 2-3 heures par semaine ou 2-3 heures par jour, à acquérir et à tenir un logement, même si c'était un logement encadré. Enfin, en gros, à être stabilisé. Et c'était vraiment des gens qui étaient extrêmement connus de la prison. Alors c'est quoi la diacétylmorphine ? C'est de l'héroïne. Donc on va monter la posologie jusqu'à ce qu'ils soient bien. Ils ont toujours un essai où ils réessayent après dehors de prendre de l'héroïne de rue, mais comme les récepteurs sont saturés, en fait ça fait rien et généralement ils restent dans ce programme et certains au bout de 2-3 ans arrêtent et puis passent à autre chose dans leur vie. Et voilà, donc c'est vraiment un programme qui est assez encourageant pour par voie orale, ouais. Alors, pour l'instant, c'est par voie orale, c'est des comprimés. Et puis, on a le projet d'avoir une voie injectable. Mais ça, c'est c'est une autre étape. Et peut-être après aussi, ça, je vais pas dire en prison parce que c'est pas filmé, si. Mais si, c'est si. Le principe d'équivalence des soins. Hein. C'est filmé. Il y a Richard qui voulait intervenir. Sur le principe d'équivalence des soins, ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est pas faisable à l'intérieur? Puis j'aimerais poser la même question à Nicolas, parce que vous êtes toujours super en avance sur nous, surtout. Mais là, c'est pas si évident, je pense. Pour l'instant, ça fait encore... C'est un projet pilote depuis 5 ans, mais c'est un... Après, pour que ce soit intégré à l'intérieur, il y a encore d'autres difficultés avant. C'est-à-dire que la diacétylmorphine doit être prise sur place. Donc, un patient qui va être hospitalisé parce qu'il s'est cassé la jambe, par exemple, il faudra le repasser sous méthadone. Donc, voilà, il faut qu'on change ça. Il faut que, au moment du Covid, c'est vrai, quand les gens avaient le Covid, étaient isolés, on a dû les repasser sous méthadone parce qu'ils ne pouvaient plus se déplacer. C'est un peu une incohérence, mais on travaille tout ça pour que ça, pour pouvoir avoir d'autres facilités. Après, c'est aussi des enjeux politiques. Hein. C'est compliqué d'avoir un programme. C'est quoi l'argument qu'on vous donne là-dessus pour pas le faire à l'intérieur? Pour pas le faire à l'intérieur. C'est difficile à dire. Dans l'ordre, il y a Nicolas qui veut réagir et Laurent qui demande la parole. Je vais te sauver la vie un petit peu. Non, je reviendrai sur le fait qu'on soit toujours en avance après. Mais pour ce qui est de la diacétylmorphine, en fait, à Genève, justement, en termes de continuité des soins, on est toujours très mauvais par rapport à ça. Fort heureusement, comme tu l'as dit, ces personnes-là ne vont pas spécialement en prison. Mais dans le canton de Genève, où la loi est strictement appliquée, et notamment les conversions d'amendes, c'est-à-dire que si vous ne payez pas vos amendes, vous êtes incarcéré au bout d'un certain temps, et ça arrive aussi à ces personnes qui sont sous diacétylmorphine à l'extérieur, et leur traitement est forcément commué en méthadone quand ils arrivent en prison, et ça c'est un vrai, vrai problème, parce que pour tous ces gens, c'est un retour en arrière phénoménal, et c'est très mal vécu. Donc, on est sur cette question-là. On parle d'une personne par année, grand maximum, pour savoir comment faire. Et on a eu la réponse récemment, pour distribuer cette molécule, il faut être un centre normalement accrédité par l'OFSP, en tout cas en Suisse.
Et puis, ce qui n'était pas le cas pour les prisons, évidemment. Donc, on a demandé confirmation de ça. Et en fait, la loi dit que sur délégation, même si la responsabilité revient toujours au centre prescripteur initialement, eh bien, on peut assurer la continuité des soins. Donc, on va aller dans cette voie-là, en tout cas à Genève, pour continuer ce genre de traitement. Ça nécessite quelques adaptations et puis des confirmations d'engagement, en tout cas, avant de devenir éventuellement un centre de prescription, si on arrive à compléter le dossier. Mais ça, ce sera dans une autre étape. La première étape étant d'assurer la continuité des soins, tant à l'entrée en prison qu'à la sortie aussi. Donc ça, on devrait pouvoir y arriver. Donc Genève a trouvé une brèche et va de nouveau ouvrir la voie. C'est pour ça que je voulais y revenir, mais bon, voilà. Dans les établissements de détention en Suisse? Non. Pour la petite histoire, quand on a modifié le programme d'échange de seringues à la prison de Chandelon en 2004, qui était en vigueur depuis 1996 malgré tout, eh bien, sur demande de l'administration pénitentiaire, il a fallu qu'on se prononce sur la faisabilité d'une salle d'injection supervisée au sein de notre établissement. Je vous passe le refus des soignants d'entrer en matière par rapport à ça, qui ne se sentaient pas à l'époque de à la fois distribuer la substitution et à la fois surveiller les injections, ou en tout cas intervenir au besoin. Et puis l'autre blocage était plutôt de l'administration pénitentiaire, quand en fait elle a compris que l'accès à la salle d'injection supervisée nécessitait d'accompagner les détenus plusieurs fois par jour, détenus qui avaient sur eux forcément de quoi s'injecter. Alors, possiblement des médicaments que le service médical donne, mais pas seulement, de l'héroïne, de la cocaïne, et ça devenait du coup pas gérable en termes de conscience de travail, de ne pas fouiller un détenu qui, évidemment, avait du produit sur lui. Juste une question, mais est-ce qu'il y a eu, des études où on a demandé aux détenus où est-ce qu'ils allaient s'injecter, qu'est-ce qu'ils préféraient ? Parce que c'est aussi pas la même chose que d'aller dans une salle supervisée ou de s'injecter le soir dans sa chambre, dans sa cellule. On n'a pas fait ça. C'est une question importante parce que c'est une des propositions qui avait été faite pour le décret d'application de cette loi de santé. C'était qu'il y ait des salles de consommation dans les établissements pénitentiaires français. Mais là, il y a eu une montée au créneau des professionnels sanitaires. D'abord, dans la mesure où il y avait une question de personnel qui était extrêmement importante et de formation des personnels. Parce que les personnels qui interviennent en milieu pénitentiaire ne sont pas particulièrement ni formés ni sensibilisés à la réduction des risques et à ces pratiques. Et d'autre part, ça suppose que les détenus s'injectent des drogues aux heures de bureau. Maintenant, il reste entre autres la reconnaissance, qu'on parle ici de programme d'échange de seringues, mais pour qu'il y ait un programme qui se mette en place, il faut déjà qu'il y ait reconnaissance de l'existence de l'injection en prison. Et ça, c'est aussi problématique aujourd'hui parce que c'est pas abordé par les soignants dans les anamnèses, etc., à l'entrée de prison, parce qu'en fait, c'est des sujets que les gens, tu parlais de la formation des soignants, connaissent mal. Donc, quand on connaît mal un sujet, parfois, on n'ose pas poser question parce qu'on ouvre une boîte de Pandore. Et tout ça ensemble, le sujet n'est simplement pas abordé. Mais il suffit de demander à des détenus qui nettoient les préaux chez nous, les cours de promenade de certaines prisons, qui voient des seringues bricolées. Ça existe, mais cette reconnaissance-là, elle est encore aussi difficile à faire accepter. Donc, tant qu'on ne peut pas les mettre devant les yeux non plus des décideurs, ça reste aussi compliqué. Donc, merci à vous d'avoir été court. Désolé des frustrations. Je pense qu'on pourrait les laisser parler tranquillement jusqu'à 18h et ils ne s'arrêteraient pas. C'est pour gagner quand même un temps d'échange avec vous au niveau de la salle. On a 10-15 minutes. Je pense qu'on a rattrapé le retard de la pause du midi. Je ne sais pas où est Stéphane et le micro, mais n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions. Ils sont tout à vous. Il y a une chose à laquelle peut-être vous devriez penser, parce qu'au Canada, pour que nos programmes d'échange de seringues voient le jour sous forme de projet pilote dans les prisons, il a fallu poursuivre le gouvernement fédéral en justice. Alors, ce n'est pas une initiative spontanée de nos gouvernements. Alors, vous avez les outils, et c'est très récent chez nous, très récent. On note. J'arrête là. Alors, vous avez la Déclaration européenne des droits de l'homme. Alors, vous avez beaucoup d'outils. Donc,
Donc si vous n'avez pas de questions, ils vont se poser eux-mêmes leurs questions. Richard, on t'en prie. Nicolas, tu nous disais plutôt que, c'est mon bouc émissaire, je l'aime beaucoup, que d'avoir implanté le programme d'échange de seringues était vraiment comme quelque chose qui était un non-problème maintenant. Mais tu nous disais que c'est comme si ça, c'était l'avancée, puis que là, on ne peut plus faire autre chose. C'est ce que je voulais dire en fait en réponse à la remarque de tout à l'heure là, c'est que en fait on érige un peu le programme d'échange de seringues un peu en totem comme ça et qu'il faut absolument aboutir à ça dans tous les établissements de détention du monde entier, partout. Mais en fait ça masque tous les autres programmes de réduction des risques qui peuvent se développer à Genève ou particulièrement là, on n'est pas du tout en avance, parce qu'on a ce programme d'échange de soins qui fonctionne très bien et qui est en fait maintenant effectivement un non-événement, ben, on ne peut toujours pas mettre à disposition de paille pour les détenus. On a un accès au préservatif qui est somme doute assez limite, puisque uniquement accessible librement au service médical, donc il faut venir au service médical pour avoir des préservatifs gratuits, sinon il faut les acheter. Il y a plein de petites choses comme ça. On distribue aussi, on donne ou on met à disposition de l'aluminium et du bicarbonate, mais uniquement parce que le bicarbonate est en vente à l'épicerie et puis l'aluminium aussi, mais pour des raisons plutôt alimentaires, on va dire. Donc finalement, on n'ajoute pas un autre matériel ou d'autres matériels à ce qui circule déjà. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui sont plus traitées ou qui sont très difficiles à traiter parce que ou par défaut, parce qu'on a notre programme d'échange de seringues qui fait effectivement la fierté de l'établissement et notre fierté de soignant. Mais en même temps, voilà, c'est très bloquant et il ne faudrait pas s'arrêter là. Alors, je ne sais pas, oui, je voulais parler aussi du tatouage. Ben, on n'arrive pas non plus à mettre des tatouages parce qu'il y a des aiguilles. Ben, oui, il y a des aiguilles, mais il y a des aiguilles au programme d'échange de seringues aussi. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont maintenant bloquées, qui n'avancent plus. Et ça, c'est très, très dommage. Je vais juste être certain qu'il n'y ait pas d'autres questions dans la salle. Et si pas, vous donner l'occasion d'avoir un mot chacun pour clôturer cet atelier. Ah, on a une main qui se lève. Bonjour. J'avais juste une question pour savoir si au niveau de vos différents programmes, il y avait la question de... Enfin, c'est assez provocateur, mais... Est-ce que, au final, le problème premier des conditions de détention des personnes, c'est pas la prison en elle-même ? Et où en est les réflexions concernant l'abolitionnisme carcéral, en fait, au sein de, et comment est-il porté, en fait, au sein de vos différents programmes ? Qui veut ouvrir le bal ? Richard se porte volontaire. Mais au Québec, il y a quand même certains organismes communautaires. Je pense à Stella, qui travaille à la défense des droits des travailleuses du sexe, qui revendique l'abolition du milieu carcéral. Mais c'est pas répandu. On entend rarement. On entend beaucoup plus la demande de définancer la police pour pouvoir remettre les sommes au secteur santé communautaire. Et moi, là-dessus, je dis souvent, les budgets de l'État en santé et en éducation sont les budgets les plus importants. La santé au Québec, c'est 54 % du budget de l'État. La sécurité publique, je ne sais pas le chiffre exact, là, mais c'est quelque chose comme 10 % 12 % 15 %. Et moi, je dis souvent qu'on a à travailler à l'intérieur même du système de santé pour lutter un peu comme contre l'hospitalocentrisme. C'est là où tout le monde met les fonds. Alors, pour décriminaliser, pour faire en sorte que l'on intervient en milieu carcéral avec suffisamment d'outils, je ne suis pas toujours certain qu'il faut demander que ce soit un transfert de fonds de la sécurité publique. On vit actuellement au Québec et au Canada, à Toronto, Montréal, actuellement des personnes qui décident de tirer dans des foules sur des personnes qui ne sont pas impliquées dans le crime organisé. Et c'est très difficile d'aller actuellement demander le définancement de la police, alors qu'il y a une pression populaire pour augmenter l'intervention de la police.
c'est difficile de faire même part de cette revendication-là, hein, parce qu'il y a une telle pression, une telle philosophie de l'incarcération qu'on voit très bien que malgré les discours du ministère de la Justice de favoriser les alternatives à l'incarcération, c'est peanuts, c'est rien du tout. Les placements extérieurs et le bracelet électronique, toutes ces mesures-là sont extrêmement rares, hein, finalement, comparativement à l'ensemble des mesures prononcées. Et quand on voit le côté déstructurant des incarcérations sur ce qui reste d'insertion des personnes usagères de drogue, on n'a pas de doute là-dessus. C'est clair que ces personnes ne devraient pas être incarcérées, quoi, que c'est catastrophique en termes social, en termes la récidive, en termes de tout ce qu'on veut. Quoi. Nicolas, tu voulais réagir, et puis je donnerai le mot de la fin à Vinciane pour clôturer dans les temps cette troisième session. Moi, je pense par rapport à cette question de la place de la prison dans notre société, c'est que peut-être si on... Et puis c'est peut-être avec tout ce qui a été dit depuis ce matin, si on accentue, nous, notre action sur la continuité des soins, sur la prise en charge à l'intérieur de la prison comme un élément d'une vie, parce qu'on a tous le droit à des accidents de vie, hein, eh bien, peut-être qu'on limitera la récidive de manière globale et puis sociétale, et que du coup, restera en prison que les quelques personnes qui n'ont pas d'autres possibilités que ça. Et toutes les autres qui n'ont rien à faire en prison, elles n'iront plus en prison, je pense. La question de l'abolition, il y aurait beaucoup de choses de fait à en dire, mais je vais plutôt revenir sur le sujet d'avant pour faire un petit mot de la fin. Bien sûr, pour revenir à la question de la voie judiciaire, enfin, ça fait partie en tout cas des pistes, se dire comment faire avancer les choses en y allant un peu plus fortement pour que les lois changent, pour qu'il y ait des possibilités en tout cas de mettre en place des programmes de réduction des risques, mais au-delà de ça, ou à côté de ça, je pense qu'il y a vraiment une question de faire évoluer les mentalités. Là, il y a un énorme travail, et on évoquait transfert des compétences ou pas. Voilà, ça ne va pas tout changer. On est bien d'accord, Nicolas, dans ce que tu évoquais tout à l'heure. Pour moi, ce qui me marque le plus de toutes ces années avec le carcéral, c'est le silence des prisons. Et je pense que le silence, il se voit à plein de niveaux. Il y a très peu de culture de communication, de collaboration, de concertation, mais que ce soit même intra, parfois, carcéral entre les services, ou voire même au sein de certains services médicaux, on voit qu'il n'y a pas de réunion d'équipe, par exemple. On voit des agents pénitentiaires qui ont vaguement un peu de formation, mais qui n'ont aucune supervision. Ils rencontrent des situations très difficiles. Ils n'ont pas d'espace pour mettre des mots là-dessus. On voit des situations comme, je pense par exemple, typiquement, quand il y a un suicide en prison, notre équipe, on le sait souvent par les médias, alors qu'on rentre dans une prison le lendemain ou quelques heures après, et ce qu'on sent, c'est le silence, justement. Il y a un truc particulier qui est là, qui plane, mais il n'y a pas de mot qui est mis sur le suicide qui vient de se passer. Je pense à aussi un médecin dans une prison, un jeune médecin qui a claqué la porte après 6 mois, 1 an de travail. Il m'expliquait que quand il est arrivé pour travailler en prison, dans le bureau médical, il n'y avait pas de chaise pour le patient. Et donc, il y avait juste une chaise pour lui, il y avait le bureau, il n'y avait pas de chaise. Et donc, il a trouvé une chaise, il a mis la chaise. Et puis, le médecin chef du service est venu retirer la chaise en disant « Un détenu qui parle, c'est un détenu qui va nous prendre du temps, on n'a pas le temps. » Et donc, ce silence-là, et je pense qu'il est à tout niveau, parce que il y a des gens ici qui travaillent dans différentes associations, qui travaillent en prison, et on voit énormément de violences, d'injustices qu'on ne nomme pas, qu'on ne dit pas à l'extérieur, de peur de pouvoir retourner dans la prison le lendemain. Et je pense que ce silence général, qui se trouve à tous les étages, n'aide pas, en tout cas, au changement de mentalité. Et quand on dit les murs sont hauts, les portes, les serrures, etc., moi, je pense que pire que tout ça, c'est le silence. Merci, Vinciane. Juste pour clôturer et passer le relais au dernier atelier, chacun des deux ateliers précédents a mis en avant des mots. Moi, je pense que ce qui nous caractérise ici, c'est les blocages et les innovations. C'est de dépasser une série de blocages qui sont les nôtres et surtout continuer d'innover. On entendait Nicolas mettre en avant leur intérêt à pouvoir mieux connaître le réseau extérieur. Je sais, vous êtes nombreux dans la salle, que tous les jours, nous essayons de rentrer pour faire au mieux en dedans. Donc voilà, qu'on soit intervenant, soignant dans certaines prisons, à vouloir mieux connaître le dehors ou être service externe et vouloir absolument rentrer dedans, c'est en débloquant une série de choses et en restant innovant qu'on pourra continuer à avancer. Merci à vous et bon après-midi.